nous nous rendons à l'entreprise où le prototype du dirigeable a été fabriqué. Quelque chose ne va pas, je marchais bien. Pourquoi est-ce qu'elle passait littéralement par là, avec peu de choses, à l'entreprise où elle l'a déjà fabriqué? En fait, en réalité, vraiment. Plus. Et tu sais, en fait, un dirigeable de notre directeur mangeait vraiment des yuan chez nous. Et en chemin, il pose différentes questions, pièges. À Luc, Nemeux, voilà déjà ma... Il y répond en expliquant les détails et en fournissant des exemples. Dit que nous tournons une vidéo. Oui, on peut dire bonjour. Vidéo, oui, voilà, oui, 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 oui. Mes chers amis, je vous présente le directeur de cette entreprise. C'est-à-dire que cette personne a vu un magazine pour la première fois en 2003 dans un dirigeable. Il a regardé, ils les ont fabriqués il y a 100 ans, il a construit ce bâtiment lui-même avec son propre argent. Il a investi 100 millions de yuan de son propre argent. Ai-je bien dit 100 millions de yuan, il a encore emprunté 100 millions. Il a investi, construit un cadre rigide en fibre de carbone, tous de diamètres différents, tous ont été calculés. Tout cela est fabriqué en Chine. Il a entièrement modélisé ce dirigeable. À l'intérieur, il y a même en bas une cabine dans laquelle il a installé un siège. Il a entièrement et minutieusement conçu le design et l'architecture de ce panneau avant. Tout cela était visible, c'est-à-dire qu'il y avait des instruments. On m'a montré tout cela lors de la présentation et tout cela a été fait pour obtenir la certification. Toutes les normes européennes ont été transférées de manière exhaustive, complète et minutieuse pour élaborer le règlement de vol. Tout cela est actuellement en cours de signature. Et d'ici la fin de cette année, la construction d'un immense hangar, ou comme on l'appelle, un Eling, commencera dans la ville de Xi'an. Toutes les technologies de construction sont également chinoises. Tout cela se met en place très rapidement, presque instantanément. En un an, tout sera prêt. L'usine sera prête pour la production. Et là-bas, il ne s'agira plus de petits dirigeables de 66 mètres, mais de dirigeables de 85 mètres de diamètre, 26, 26, 26, 26, aux 26 minutes. Mètres, n'est-ce pas? Ces dirigeables seront déjà fabriqués à raison d'environ 8 unités par an, environ chaque année, pour le tourisme dans toute la Chine et au-delà. Je vais encore raconter beaucoup de choses intéressantes, mais pour le moment, une question. Comment en êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer tout cela? Quelle idée? Comment? En fait, comment? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer tout cela et à le faire? Quelle idée, en fait? Qu'en pensez-vous? Ma femme vient de se rappeler, traduit, on va t'écouter, c'est déjà écrit dans l'horoscope. Dans l'horoscope, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est écrit pour moi, dit-il. Est-ce déjà écrit dans l'horoscope? Oui, c'est déjà écrit dans l'horoscope. Il dit... Texte non reconnaissable. Dans l'horoscope? Oui, il s'est toujours intéressé à l'aviation, dit-il. C'est écrit dans l'horoscope, dit-il. Depuis mon enfance, j'ai rêvé de voler. Je pense que nous allons voler ensemble avec monsieur le directeur dans le nouveau dirigeable. Monsieur le directeur me laissera-t-il piloter? Edinkoy Anjego Vrating, monsieur le directeur me laissera-t-il piloter? Donc, Nentimal O. K. Certainement. Absolument. Pas de problème. Avant cela, je pense que je devrais. Obtenir un certificat de l'État. Très sûr? Dareloga, il montre Anchik, il dit très sûr, n'est-ce pas? Il dit que notre slogan est un dirigeable qui ne tombe jamais, vraiment. Le dirigeable, oui, il a 6 ballons, il ne tombe jamais, oui. Chaque ami doit vraiment pousser le bol. Il dit que si nous fabriquons un dirigeable, il vous emmènera lui-même sur cette terre.
Quand nous aurons terminé, nous irons certainement. Merci. Il a dit que ce n'est pas si nous faisons un lorry, mais quand nous le ferons, nous irons ensemble. Il est devenu école, il est devenu classe, école et genre, oui. Les amis, je comprends qu'on ne voit que la structure. En fait, cette enveloppe jaune qui pend est vraiment simplement une enveloppe décorative. En fait, je viens de regarder dans ce coin du hangar, il y a des cylindres de très bonne qualité empilés. 6 cylindres qui sont gonflés à l'hélium et installés dans les dirigeables. Eh bien, un grand merci au directeur pour avoir été si honnête, sans essayer de nous tromper et pour nous avoir montré l'état réel des choses. C'est vraiment très, très génial. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez éteindre. Nous voulions nous assurer que l'utilisation de la fibre de carbone dans la structure du dirigeable était possible. Toute cette structure est faite en fibre de carbone. Là-bas se trouve la plus grande aire d'essai pour les avions. En Chine, oui, l'avion chinois C919, c'est ici qu'ils font les tests. 9, c'est le corps de l'essai. Où se déroulent les tests et les expériences des avions chinois qui sont souvent très complexes et nécessitent des conditions spécifiques. Je crois même voir l'avion lui-même ou son modèle réduit. Voici le dortoir pour les employés. Ils ont suivi toutes sortes de formations ici. C'était la cantine ? C'est une cantine, c'est-à-dire, vous comprenez, n'est-ce pas ? Il y a 3 ans, cela fonctionnait encore. Tout cela a été fait. Et tout cela est fait de manière innovante et efficace pour lancer et certifier cette technologie de fabrication de dirigeables dans le but de garantir leur qualité et leur sécurité. Pourquoi ce choix ici? Pourquoi Xi'an? C'est pratiquement la capitale de l'aéronautique en Chine. D'ailleurs, à Xi'an se trouve l'entreprise d'Elon Musk pour la production de moteurs. Ici, Samsung fabrique des puces. Plus de 2 ans se sont écoulés depuis que tous les tests ont été effectués. La paperasse dure depuis déjà 3 ans. Vous ne pensez pas qu'en Chine, tout cela se fait beaucoup plus rapidement? Non, c'est la même chose. Ensuite, il faudra faire à Xi'an une plateforme identique, exactement la même, sauf que là-bas, le hangar sera 2 fois plus grand. Sa longueur sera de 100, avec 1 mètre de plus, et en diamètre, il devra montrer, il devra permettre de fabriquer des dirigeables d'un diamètre de 26 mètres. En réalité, le travail est grandiose. Il a duré 17 ans et parmi eux, seulement 3 ans sont maintenant consacrés à la signature des papiers. Mais cela va bientôt se terminer et nous verrons quelque chose de plus intéressant.